Et bonjour tout le monde, c'est Revansmil et bienvenue sur l'épisode de 4 de Hearthstone, le bras de fer des boss. J'espère que j'aurai pris la peine de faire des vraies miniatures. Bon, on verra bien. Ah oui, surtout que j'avais laissé l'année du corbeau, mais on est... Oh, les échiquiers, j'adore. Oh, j'adore les échiquiers. Par contre, pourquoi j'ai pas mes... Ils m'appellent pas, moi. Donc, attaque, c'est attaque automatique, c'est super sympa. Bah, on garde tout, c'est trop bien, j'adore. Un point de dégâts face aux adversaires en face de ce serviteur, c'est super sympa. Oh, le jeu d'échecs est magique. C'est dommage parce que t'es mort. T'es pas mort. Moi je fonctionne sur de l'attaque automatique donc bon c'est pas mal. Ensuite on va rajouter ça, découvrir une pièce d'échiquier. Donc, j'espère choper la reine même si elle est très chère. Ça fonctionne sur moi aussi. Non mais là non. Merci. Non mais là quand même, 1 minute 28. Non non je peux pas. Je peux pas, recommence. Je peux pas, faut pas déconner. Je peux pas m'arrêter là. J'ai honte. Putain mais chaque fois, pourquoi je gagne tout? 4 victoires d'affilée. 4 victoires d'affilée, c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis devenu bon. C'est peut-être ça en fait. Donc. Non, je ne serai pas Kébri tout de suite. Je joue aux échecs. L'invasion des pions. Bonjour. Ça fait quoi c'est un truc? Oh, trouve un trésor, trop bien. Ça c'est bien. Donc le fou, faut le caser au middle. Ça me donne juste envie de faire ça en fait. Au revoir. Ça me donnait juste envie de faire ça. La tour, ouais, je casse une tour. C'est ce qui pourrait être le plus rentable. Ouais, c'est le plus rentable. Un tour. C'est pas un des decks les plus agressifs, mais c'est un des decks les plus drôles, je trouve. Non, mais faut pas me laisser jouer tout le temps. Je crois que t'as pas compris le principe, Maurice. Ouais, on va se mettre là et on va lui mettre ici. Ouais. On tape. Il faudra que je fasse très attention à garder un peu de place pour des trucs plus costauds. Très bien. Il me faut une tour. Et normalement, je devrais avoir assez pour la jouer. Si je chope une tour ici, je colle ma tour là. Et là, c'est bon, ça passe. Faut que je réfléchisse à ce qui serait le plus rentable. Si je calme ma tour. Faut que je fasse gaffe. Sur 5, un piège de points de dégâts aux adversaires en face de ce serviteur. Là, je le passe en face, donc c'est pas intéressant. Donc là, j'inflige 2 à ça, ça, ça meurt. Là, je l'inflige 2, je l'inflige 1. Il m'aurait fallu 4 mana. D'accord. Donc là, il faut que je joue ça et ça d'office. La reine, on la gardera pour plus tard.
Oui, ça, il donne une carte de la pièce, donc on s'en fout, et lui, bon, un kobold. Mais non, mais tu m'avantages. T'es gentil, mais faut pas faire ça. Il faut pas. Donc, 3, tu vas mettre une là, tu vas mettre un pion, et tu vas me mettre un healer ici, tiens. Oui, ici. Non, ici. Ici, c'est bien. Deux healers, bien placés. Ah, merde, là, je suis con, là. Bon, je lui ai infligé un max de dégâts, mais je m'en fous. En fait, maintenant que j'y réfléchis, je m'en fous un peu. Je crois que la prochaine tour, je vais pouvoir le passer. Merci. Est-ce qu'on peut lui faire le plus de dégâts possible? 3, 4, 5, 6 et 7. Et après, on lui sort une reine. Juste dernier tour, tu sais, la reine, pum, au milieu. Et je peux même lui sortir un pion. Ah, si vous entendez un truc qui gratte, c'est normal, c'est les loirs. Oh, bien joué. Donc, il faut que j'en joue deux. On va caser la elle au milieu. Elle au milieu ici. Et on rajoute lui là. Comme ça me la recentre suffisamment bien pour me débarrasser de la 3-3. Donc la reine, est-ce que si je la mets là, je me débarrasse de la 3-3 et de machin. Si je la mets là, je me débarrasse d'absolument rien. Donc le plus intéressant, ce serait ici. Et donc là, je me débarrasse de... Voilà. C'est violent. Le deck échec est super violent. Il est calme à jouer, il est lent, mais il est violent. Parce que les pièces d'échecs sont très solides. Pour t'en débarrasser, c'est très compliqué. Et je pense qu'il est en train de s'arracher les cheveux en face. S'il est bien joué le deck d'échiquier, si t'as de la chance, si tu tombes sur les bons trucs au bon moment, t'as gagné. Putain, c'est bien joué. Bien joué, mais bon, ça n'empêche que t'as perdu. C'était pas ça que je voulais dire, c'était bien joué, c'était admirable. Mais c'est pas grave. Donc là, il faudrait que je décale ma reine. Bon, bah, il y aura plus de reine. C'était pas la meilleure idée de ta vie. Bon, du coup, ça. Donne-moi un cavalier, hein. Très bien. Ah merde, bien. Admirable. Il a bien joué. Mais là, c'était le coup de chat. 4 points de vie. J'inflige 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Je suis mort. Je peux me débarrasser donc de la 2-2, de la 1-1. Pas grand-chose après. Mais faudrait que j'arrive à faire péter une de mes cartes. Faudrait que j'arrive à en faire péter juste une. S'il pouvait m'en faire péter une, ce serait idéal. Parce que là, je peux caser ça, je peux me débarrasser de la 8-4 en plus. Dommage.
Tu veux pas me sortir une reine? Dommage. Je m'en suis débarrassé d'assez. Oh, c'était quoi ça? Ah, il a un pion. Là, je vais commencer à me débarrasser des trucs. Donc là, j'ai inter... Ouf. Ouh, il commence à faire mal, ce deck. Il commence... Il a 30? D'où il a 30? Je suis mort, là, vraiment. D'où il a 30? Rend tous ses PV à votre héros? Non! C'est pas du tout pété, ce truc-là. Bah, échec et mat. Bien joué. Oh merde! Putain, le vœu, le miracle! Le miracle pour lui, sans déconner, il est magnifique celui-là! Oh, putain, la violence du truc! Remplis le plateau de PV légendaire, t'as tous tes PV. De serviteur légendaire, putain, c'est violent! Bon, j'espère qu'on va l'avoir. Donc, des bisous les gens, et à la prochaine vidéo.